Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve sur Wolfenstein Youngblood. Je vous laisse l'intro et on se retrouve après. Épaules relâchées et tête haute. C'est quoi ce truc-là? C'est un mouflon. Il a aucune raison d'être dans le coin, a priori. Il a dû s'écarter du reste du troupeau. Encore cinq. Il a la trouille. Ouais. Il s'est sûrement retrouvé là à cause des orages. Je vois pas d'autre explication. Je peux tirer maintenant? T'es sûr? Dans ce genre de situation, tu dois faire bien attention à tout ce qui t'entoure. Cette lunette, ton esprit se glisse dedans. Tu es focalisé sur une tête d'épingle. Mais tout en étant concentré sur ce mouflon, tu dois garder en tête que toi-même, tu es une proie. Très bien. T'as tout compris. Qu'est-ce que tu sens au plus profond? Il va pleuvoir d'ici peu. D'accord. Quoi d'autre? Je sais pas, attends. Il y a une meute de coyotes à environ 60 mètres au nord-est d'ici. Coup de pied, Zofia, 5. Allez! On recommence. Garde haute. Non, j'en peux plus, maman. Et c'est là que tu meurs. C'est à ce moment-là qu'il t'attrape. Quand on meurt, c'est qu'on a laissé l'ennemi nous tuer. Un jour, tu affronteras un grand Arien plein d'assurance qui pourra supporter la douleur une seconde de plus que toi. Eh bien, il ne lui en faudra pas plus. Quand est-ce que ça s'arrête, maman? Écoute, ma chérie. Pour survivre, tu dois embrasser la souffrance, te relever et la supporter. D'accord? Allez, on s'y remet. 5 de plus. Fais chier. Hé hey, reste polie, Zofia. Papa? Ouais. Quoi d'autre? Papa? Est-ce que tu t'en vas? Bordel de merde! Bordel de merde! Garde un œil sur ce qui t'entoure. C'est ce qui te sauvera la vie. Tu peux y aller. C'est le moment de tirer. Avant la trompe d'eau. Vous avez faim? Regardez-moi ça. Joli butin. Tout va bien ici? Waouh, impressionnant, Kenneth. Je commençais à croire qu'il te manquait cet instinct de tueur. T'es vraiment un gros con, Arthur. Oh là, on se calme, les filles. Soyez sympas l'une avec l'autre. Oh, ça va, c'est un compliment. Oh, la ferme. Je crois que nos bébés sont devenus des jeunes femmes. Quand est-ce que c'est arrivé? Qu'est-ce qui ne va pas, chérie? Une autre tempête s'annonce. Scalpel. Donc, vous êtes sœurs, c'est bien ça? Sœurs jumelles. Et vous êtes les filles de l'emblématique capitaine Blaskowitz. Sauf Abby, c'est une amie de la famille. On sait qu'il est passé par ici, madame. Il était à la recherche de quelque chose. Il nous a aidés à combattre les nazis et d'un coup, il a disparu. Plus d'éther, s'il te plaît, Jacques.
Vous avez des antibiotiques? Oh, le pauvre Jack, il est muet. Pourquoi tu as besoin d'antibiotiques? Ce type a une péritonite. Et comment est-ce que tu sais ça? Abdomen gonflé, respiration courte, son péritoine est enflammé. Il va mourir si vous lui donnez pas tout de suite des antibiotiques. Tu veux peut-être t'en occuper toi-même? Non, merci. Madame, s'il vous plaît. Jeune fille, ici, tout le monde m'appelle Juju. Est-ce que vous allez nous aider, Juju? Ce sont des exosquelettes? C'est ça. On n'a pas ce genre de matériel par ici. Vous savez tirer? Plutôt bien, ouais. Est-ce qu'au moins vous avez déjà tué des nazis? Écoutez, madame, on est né pour tuer des nazis. T'entends ça, Jacques? Né pour tuer des nazis. On n'a jamais tué de nazis, je sais bien, mais ils n'ont pas besoin de le savoir. Puisque c'est comme ça, j'ai une mission à vous proposer. Une mission parfaite pour deux tueuses de nazis telles que vous. Après que l'ex-général Lothar Brandt a été déchu du pouvoir par Berlin, un nouveau général a été envoyé pour réprimer la révolte qui faisait rage à Paris. Ce général se trouve dans un zeppelin appelé le Nachtfalter. Tuez-le d'abord. Et ensuite, on pourra se mettre à la recherche de votre père. Regarde, Sof. Un nazi. T'en penses quoi? Il faut le tuer. C'en est qu'Arthur, t'as un plan? On lui colle une balle dans la tête d'ici. Tellement pas prête pour ça. Et si tu le manques, la ferme, je suis prête. Ok, on devrait essayer de se rapprocher un peu, non? On descend par là, moi je me faufile sur la gauche et toi tu te faufiles sur la droite. On le coince et on le bute. Mais pourquoi tu chiales là? Je chiale pas, putain, j'ai juste un peu la nausée, c'est tout. Tu vas pas me laisser tomber? Pas moyen. Alors on y va, mademoiselle Blazkowicz. Allons faire ce que papa et maman feraient. Keine Bewegung! Das wirst du noch bereuen! Bon, je suis désolé, je reprends là. Mais cet éclatage de tête là. Je vous ai laissé l'intro, je voulais pas trop parler par-dessus. Juste pour vous dire qu'en fait, l'équipement, tout ça, en fait, il nous demande de le choisir avant qu'on lance la partie. Bon, j'ai choisi un petit peu à l'arrache, on va dire, j'ai mis les trucs comme ça. Mais vous pouvez choisir l'équipement et tout au début, les armes, tout ça. S'il était blessé, en train de se vider de son sang. On peut le faire. On va le retrouver. Tu te fous de moi? On est faites pour ça, frangine. Tu voilà. Il fallait passer le cap une fois, je crois. Une fois que t'en as buté un, c'est bon. Alors, on est sur PC. Jamais. Vous êtes les filles de l'homme. Je préviens. Ce putain d'Adolf Hitler. Vous êtes le jeu, il a... Là, il a quasiment tous les paramètres en ultra et au maximum. Je suis sur un écran 1080p 144Hz, donc je vous mettrai la vidéo en 1080p 60 images secondes parce que je peux pas faire plus. Ouais, ça c'est comme le précédent. Et donc, alors là j'ai branché une manette, c'est par confort parce que moi je... Autant je trouve la souris beaucoup plus précise et je préfère, mais le clavier j'ai beaucoup de mal. Du coup, je vais... acheter un mini clavier pour les FPS. Parce que j'ai beaucoup de mal avec le clavier. Ouais. Toc. Armure à 100%. Ouais, alors en plus, les Wolfenstein, on est à l'ancienne. C'est qu'on a, on a une barre de vie normalement. Comme vous l'avez vu dans l'intro, on joue les filles de Blazkowicz.
dans un jeu qui, d'après les trailers, a l'air quand même bien fun. Alors, vous m'en voulez pas si je parle un peu fort, c'est qu'avec les oreillettes, je m'entends pas beaucoup. Votre sœur et vous partagez les mêmes vies. D'accord. Alors ouais, le jeu, on peut y jouer en coop. Vous pouvez jouer en coop en ligne. Moi, j'ai mis un truc totalement privé et fermé pour que personne ne vienne pendant la vidéo. Mais vous pouvez jouer en coop en ligne. Vous pouvez inviter des amis qui n'ont pas le jeu. Je sais pas trop comment ça marche, mais en tout cas, ça peut se faire. Donc voilà, le jeu est totalement jouable en solo avec l'IA ou en coop. Un max de munitions. Parce qu'à mon avis, on va en avoir besoin. Maintenez RB pour afficher le menu de sélection des armes. Ok. On va prendre ça. Voilà, donc il y a des choses qu'il faut faire à deux, ok. Donc là, de ce que je comprends, on a deux vies. Oh merde, il y en avait un deuxième. Ah. Bon, ça nous permet de voir que le jeu est plutôt fluide et plutôt bien foutu. Quand est-ce qu'elle va s'arrêter cette putain d'alarme ? Il va nous falloir un code pour ouvrir ces portes. Voyons voir ce qu'on peut trouver dans le coin. Ah, tiens, un mini-ordinateur. Il y a peut-être des infos dessus. Alors. Il va falloir qu'on trouve le code. Il y a un menu ou quelque chose ? Normalement, j'ai éclaté tout le monde dans la zone. Il nous faut un ordinateur pour décrypter ça. On a un ici, mais non, visiblement. Putain, m'a fait peur, elle. Ah, décodé, j'avais pas vu. 84-31. J'étais ici, je me souviens plus.
Le nazi s'attendait pas à rencontrer les terres Blaskowitz. Bon, j'ai déjà l'armure au max. J'adore ces ordinateurs tout rikiki. Il y a sûrement des infos croustillantes dedans. Je crois qu'il y a un mec qui m'a vu. Ah putain. Je crois qu'il y a un trou de balle qui m'a vu. Mourir comme un con. Bon. Où est-ce qu'ils sont ? Faut faire gaffe qu'ils nous arrivent pas dans le dos par contre. J'avais pas vu qu'il y en avait un autre, dis donc. On est sur une sorte d'approche très discrète. Voilà. Bon, pour les gens qui me connaissent, ils seront pas choqués. On est en difficulté normale aussi. Ah, j'aurais peut-être pas dû faire ça. Résistant, hein. Ouais, bon, ça par contre c'est pas terrible. J'ai 3 capacités, donc parce que visiblement, vous voyez, on peut changer ce genre de truc en fait. Mais on a des capacités qu'on peut. Il en faut 2, j'en ai qu'un, d'accord. Bon, ça c'est pas très très bien fait par contre, regardez. Ça c'est pas terrible. Vous allez me dire que c'est qu'un détail, mais... Les détails c'est assez important. Attendez, voilà, j'essaye juste un truc. Trouvez donc les armes, personnalisez vos armes en utilisant des lingots et des pièces. Donc c'est à ça que ça sert. Donc ça, on va aller voir. Là, on va ramasser ce qu'il y a là-dedans. On va tout de suite aller dans les armes.
Ok, donc il y a un système de progression avec la maîtrise aussi sur les armes, visiblement. Et on peut donc l'améliorer de plusieurs manières. Ce qui améliore ses stats, on voit en bas. Là, je gagnerai en précision. Là, on gagnerait en cadence de tir et en dégâts par seconde. Et là, on gagnerait en dégâts. Ok. Donc là, je vais mettre ce truc. Bon, il faudra que je vois ça quand j'aurai plus d'argent. Mais bon, voilà. En tout cas, vous savez maintenant qu'on peut faire ce genre de choses. Pour ce qui est de la config, je vous l'afficherai. Je pense que je vous l'afficherai au début de la vidéo ou dans la description, mais on est sur un i7-7700K avec 16 Go de RAM en DDR4 3200 MHz et une GTX 2060, une RTX pardon 2060. Sur un écran 1080p, moi j'ai un écran MSI incurvé 1080p, 144 Hz. Et appeler des renforts en présence d'un commandant, au déclenchement de l'alarme, les renforts seront de niveau supérieur. Ok, donc faut qu'on fasse attention là pour le coup. Que les prochains bonhommes qu'on rencontrerait, ils seraient plus forts. Nique ta mère, le commandant. Pas moyen de jeter des trucs pour les déconcentrer un peu. Bon bah ça va être la guérilla encore. Hein. Ça manque de petites grenades là. En fait quand on est à couvert pour sortir sa tête. C'est un petit peu débile hein, quand même. Ils sont parfois ils sont un petit peu cons hein, quand même. Putain. Effectivement. Ils sont plus résistants ceux-là. Quoi sur la tête là ah. Bon parfois ils sont un petit peu cons. Oh
Attention! Bon, je crois qu'on a éclaté tout le monde dans le coin. Hein. On appelle ça un génocide. Ah, on peut changer aussi avec Y. Appuyer sur A, puis de nouveau sur A en l'air pour effectuer un double saut. Ok. Tu dois savoir que j'ai jamais eu aussi peu peur de ma vie. J'aimerais tellement que papa nous voie. Il faut monter comme ça en fait. Le problème c'est que là... Je sais pas comment elle fait, par contre, elle est à moitié invisible. Ouais, moi je ne peux pas le faire. Hein. Encore. On va essayer de les avoir comme ça. Ça, ça pique. Lancer l'arme de corps à corps. Ah ouais, d'accord. J'aurais pu les niquer comme ça aussi. Ok. Alors là. Très bien. Ça manque un petit peu de luminosité. Oh. Je viens de réussir à faire un truc, mais voilà, je ne peux pas y aller. Il y a forcément
un bouton ou quelque chose quelque part. Ou alors il faut que je grimpe encore. Ça va être ça en fait. Il va falloir grimper encore. Ok. Bon maintenant par contre, ici, ok. En fait c'est ça, il faut qu'on escalade. C'est un bon pétard cette histoire là. Équiper la lampe torche maintenant, hein, flèche à droite. Ok. Bah là, vous m'en voulez pas, mais c'est le jeu qui est sombre. Hein. Moi, j'y suis pour rien. Oh merde! Oh! J'ai eu la panique pendant mon saut là. Donc là en plus on voit rien. J'ai eu ce genre de panique qui peut vous causer votre mort parce que vous tombez dans un trou. Il est en train de gueuler encore. J'avais pas prévu ça, moi. Putain. Je pense qu'on va mourir. Oh putain! Je suis blessée, Jess! Faut que tu viennes me prêter ma porte! Ah, mais elle est pas bien non plus! Hé, hey, bande de cons, je suis de retour! Ce super soldat doit mourir! Ronan, plante-toi, Jess! Oh putain! Ils m'ont eu, Franchine! Le retour! Je suis
tard. Par contre, viser à la lunette sur des mecs aussi près. Ah, c'est chaud, hein. Ah non! Putain, en plus je crois que le super soldat il est mort. Qu'on fasse attention aux villes. Oh l'enculé. Putain, on a pris cher, hein. Appuyez sur LS et AB, ok, pour une attaque percutante. On aura pris cher quand même, hein. Ça a été compliqué cette histoire, hein. Bon, la vidéo, je vais... vous aurez une coupure à un moment donné parce que j'ai tourné un petit peu en rond. J'ai pas trouvé tout de suite ce qu'il fallait faire, enfin j'ai pas compris tout de suite. Que là les capacités je peux les utiliser, j'ai 2 points. Yes, je peux utiliser ça. Ok, bon pour l'instant. Est-ce qu'on peut... J'ai pas assez d'argent, bon c'est pas grave. Allez. Bon, ça va être tendu, quoi. Que le thème nous dise ça. Est-ce qu'on est prêt à mourir? Bon, non. Message aux nazis.
Sur quoi elle tire, elle? Petite enculée. Ah mais c'est lui directement ça en fait. D'accord. Oh putain. Ouais, par contre, j'avoue, il te met deux coups, t'es mort. Quand même, hein. Enfin, lui en tout cas, il faut toucher une ou deux fois, vous êtes mort. Hein. Ah bah non. Est-ce qu'elle descend sa foutue barre de vie? Ce petit connard. Allez vite. Merde. Oh, il est juste là, putain. Moi aussi. Il va jamais crever ce connard. Oh non, bah non, mais s'ils sont d'autres à arriver, on va jamais y arriver là. Ah bah oui, non mais là, on va s'en sortir. Hein. Allez, non, 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 son laser de merde là. Oui. Le trait rouge est mort là, il a plus de trait blanc. Non, il avait plus de trait blanc, putain. Aïe, 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 aïe.
Écoutez, on va s'arrêter là pour la vidéo. On va pas aller plus loin parce qu'elle est déjà super longue. Je vous remercie d'avoir suivi justement cette découverte. Et je vous dis à la prochaine. Salut à toutes et à tous.